Ok, m'a dit bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont regardé nous là. Et rapidement, on a un petit point autour de passage tempête tropicale qui vient de dépression tropicale Fred sur le pays d'Haïti. Dépression tropicale Fred, j'ai noté qu'on est projeté pour atteindre le pays d'Haïti pendant la nuit qui s'est passée là et actuellement. Au moment où on a parlé là, dépression tropicale Fred a éloigné de côte pays d'Haïti. Il est en fait entre le pays d'Haïti avec le pays Cuba. Mais quand même, nous gagnons une équipe ensemble de cellules nuageuses qui fait partie de la perturbation qui est là, qui gagne sous le pays d'Haïti. Ce qui fait que là, nous gagnons quand même une certaine couverture nuageuse, en pile côté temps, on tient marée. Et justement, nous gagnons des côtés qui gagnent petit appui, des côtés qui gagnent petit vent, ok? Mais ce qui fait que quand même, nous sous quand même une certaine influence. Mais la bonne nouvelle qui gagne, c'est que la protection civile, le travail de monitoring que lui fait avec tout représentant que lui gagne dans tout pays a jusqu'à présent tout rapport au bail que pas de dégâts matériels, pas de perte en vie humaine, donc ça sont bonnes nouvelles. Et toujours je dis un petit appui avec Tivan, n'a demandé tout le monde pour être vigilant et toujours être veatif et suivre consigne parce que capable toujours gagne possibilité que gain l'appui qui fait ce qui est capable causer ça ne les des coups éclairs donc faire rivière gonfler en grain coup pour causer des inondations. Et vent est tout capable de changer vitesse et capable de venir plus fort et causer des dégâts directement sous structure, donc lever tout le cas et débarrer comme ça. Mais de manière globale, nous sommes capables de dire que de plus en plus, nous avons éloigné de l'influence et de la dépression tropicale Fred qui lui-même a éloigné le pays d'Haïti. Donc là, et nous presque à parler de Fred au passé. L'unité hydrométéorologique qui travaille sous question monitoring météo a sorti bulletin de levée d'alerte, donc nous avons alerte jaune là qu'on est là nous pas retourner à la normale, mais c'est pour un court durée parce que selon pour prévision météorologique cap gain l'appui pendant journée aujourd'hui et à partir de demain temps a clair, mais d'ici fin week-end là gain une autre perturbation météorologique qui déjà a formé sur l'océan Atlantique là cap river sous petites Antilles, donc d'ici lundi à mardi éventuellement nous ca obligé retourner encore sur les zones pour nous capable parler avec tout le monde pour nous dire nous qui côté perturbation ça y est, qui direction que la prend, si la menace Haïti et qui précaution pour nous prendre par rapport à nouveau perturbation ça si effectivement il confirmé. Donc on a dit tout le monde merci pour collaboration yo avec participation yo et permettre que yo permettre nous diffuser message ça yo pour population ka connaît. On a dit tout le monde qui te prend précaution tout. Merci pour réaction que yo te gagné. On a demandé tout le monde continuer rester veatif, continuer suivre station télévision ça, c'est le suivre canal ça, côté que protection civile avec système national qui a géré ça désastre, a toujours continué à venir passer message de précaution et message d'information en ce qui concerne ces saison cyclonique que nous avons. Merci tout le monde. Ok, et puis on a une question, c'est que même lorsque nous voyons des gros vents là, même lorsque nous voyons des couches nuageuses, donc c'est pas un risque tempête là qui est sous le pays, mais c'est ça qui est accompagné qui ça me ka dit c'est que en fait c'est pas tempête là spécifiquement Jean que l'était annoncé là, mais c'est reste tempête là, donc ça veut dire quand même ka dit que quand même nous sous influence tempête là quand même, ça veut dire que le gros du danger est passé mais quand même gain des risques qui étaient, et c'est pour ça que nous insistons sur le fait que nous mandé tout le monde rester quand même veatif même là nous étant à améliorer au fur et à mesure, mais nous est quand même l'est toujours marré de temps en temps un petit vent monter, de temps en temps un petit appui tomber, rester suivre, rester veatif parce que à n'importe quel moment petit appui a tourner un gros appui et il a fait de l'eau descendre, donc nous plutôt pas prendre chance, nous plutôt je nous dis un peu prudent tant pour nous trop négligent et puis mal arrivé. Donc au moment que n'a parlé là effectivement et Fred Bralé, mais nous pour qu'on dit Fred Babaye parce que il pour qu'au final net, donc mais ça pas arrivé que dans l'histoire pendant le Bralé non, ça pas arrivé dans l'histoire que li a allé le fait bac. Ça arrivé que il y a des phénomènes qui fait un tour sur yo même et ça son bagage qui prend plusieurs jours. Et encore son bagage qui fait un phénomène qui très rare parce que problème qui gagne c'est que pas oublier dans météorologie, phénomène ça yo soumettre à une série de l'autre action en dans nature, dans météo. Donc vitesse vent, déplacement vent et qui côté que yo passé par exemple Fred là la privé sur Haïti et c'est pour ça que là qu'on a nous tout match ça yo. Là rivé sur île d'Haïtien, il rivé sur République Dominicaine et ben il prend, il frappe avec montagne qui sous République Dominicaine, ce qui fait que il vient diviser et nuage vient gaer, c'est ça qui ba nous tant que nous gagne qu'on là. Mais pas gain risque système là qui continue qu'après aller dans une direction, il retourner faire back ou quoi que ce soit. Donc là pour le moment je me dis libre aller. Probablement n'a pas mauvais temps pour reste journée, mais après ça, d'ici week-end là, il va le fond améliorer en attendant que nous caparer pour prochain phénomène qui va le présenter. Merci.